Salut à tous et à toutes, c'est Tamer d'History Games et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte de Rising Storm sur Red Orchestra de Heroes of Stalingrad. Il me semble que c'est un DLC, une expansion, un truc comme ça. Donc j'en sais pas plus ma foi si c'est une extension, un DLC. Et donc nous, amis Historia Games, nous avons eu la chance d'avoir une clé bêta qui a été livrée sur leurs réseaux sociaux. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresserait, à chaque 200 likes, par exemple sur leur page Facebook, quand ils arriveront à 400, il me semble, ils vont redistribuer des clés. Donc, c'est là où on peut les choper. Donc, merci à MDave d'ailleurs. On se retrouve donc pour une vidéo découverte. Donc, je ne connais rien. Alors, totalement rien. Bon, j'ai les bases de Heroes de. Mon dieu, j'ai du mal à parler. De Red Orchestra Hero. De Red Orchestra 2, ça ira très bien. Donc je sais y jouer. Je ne sais pas ce que ce jeu va changer, j'en sais rien. On va découvrir tout ça ensemble. Et ben, ça sera déjà pas mal. Donc je tombe sur un jeu où en fait il y a des attaquants et des défenseurs, un peu comme à l'époque. Ok, donc là on retourne. Hop. La souris bouge. Je fais la drama un petit peu. On va prendre l'axe. On retrouve des trucs communs hein, qu'on connaît dans Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad, donc les fusils, les ouais, voilà, mortiers légers. Mortier léger, il a rien à voir. Ah, grenade, lance, grenade, grenade. Je vais prendre un fusilier bête, continuer. Je vais voir ce que ça donne. Déjà le jeu en soi, l'environnement a l'air vraiment cool. Il a vraiment d'être sympathique. Ah oui d'accord. Si donc d'après ce qui était marqué tout à l'heure dans le chargement. Il a... Ça met en fait oui il a un débarquement américain. Ok, ok. Mon dieu, donc j'ai. Désolé mon ordinateur un petit peu donc il met un peu de temps à charger les textures. Parce que je vois que la texture du fusil n'est pas encore totalement là. Ça arrive, mon dieu. C'est à mon avis, pourtant j'ai un bon PC. Enfin, ma foi, il est en train de travailler actuellement. Oh, voilà. Donc le temps de charger, etc. Le jeu a l'air, ouais. Il y a un petit bonhomme qui a volé là-bas. J'ai vu un corps voler. Donc attention, hein, le jeu, quand même, pour jouer en hype, entre guillemets, il faut avoir tout de même un bon PC parce que ça consomme bien. C'est, Hop là, toi je t'ai vu. Je sais pas s'il m'a vu, non il m'a pas vu. Je l'aurai. Je le ferai un jour, je l'aurai. Ouch. En même temps, voilà, donc on a un effet là, un peu de vision trouble. Ouch. Dû à l'artillerie, il me semble que c'était à gauche. Ok, donc j'étais pas le blessé, c'est juste qu'on a un effet de trouble. Mais c'est moi qui dis que je passe, il y a un truc qui pète à ma gauche. Bon, j'essaie de. Je m'aventure doucement, ça reste un petit simulation. Donc hein, évidemment hein, c'est pas faut être prudent. Attendez. C'est vrai que c'est bien, ok c'est ça pour la bio. Faut être prudent, ça reste un jeu de simulation évidemment hein. Bon évidemment en gros, on va pas se voiler non plus la face. C'est juste Red Orchestra 2, Heroes of Stalingrad. Ah ouais, d'accord. Un peu mieux et sur une autre époque. Donc là en fait je viens d'apprendre qu'en fait avec d'accord. Alors left control. D'accord, ok. Oui d'accord, donc si on retrouve des trucs de base. Mais par exemple quand je maintiens ma souris enfoncée, mon coup sera plus fort à la baïo, etc. D'accord, là je donne un coup fort et là je donne un coup léger, vous voyez. Donc ça c'est pour les charges à la baïo à l'époque des japonais qui. En gros, une de leurs spécialités, les charges à la baïonnette. Donc après, on peut se mettre à couvert, etc. Donc là, moi, je trouve bien évidemment à couvert, parce qu'en fait, la chair est coupée. Il faut être très prudent. Mais le jeu, franchement, il me plaît bien, parce que... Bon, déjà, t'as le jeu... bon, qui reste un game mode, entre guillemets, assez basique, mais... reproduire, en fait, des batailles historiques. Donc en gros, c'est ceux qui sont américains, ils resimulent le débarquement. C'est vraiment... Je trouve ça sympa. Et... L'environnement est vraiment... je trouve très très bien. Enfin, c'est agréable à voir. Hein. Enfin, maintenant, ce qui peut être fait sur les jeux vidéo, c'est vraiment. Je trouve ça vraiment très agréable là-bas. C'est un copinou. Celui-là est agréable. En plus, il y a aussi la possibilité de commander des chars. Comme dans. Voilà.
Guitar Hero 2. Je dis Heroes 2, hein, c'est la Stalingrad, je crois. Il y a les bombardements plus en masse, apparemment. Plus de bombardements. Mais j'ai envie de trop m'aventurer parce que. Vous voyez en face là, il y a des. On sait pas trop tout ce qu'il peut y avoir. Faut y aller en étant prudent. Il y en a qui doivent être. Là, on entend les. Là, les bruits que vous entendez, c'est les Thompson. Les mitraillettes américaines. Faut être très très prudent. Je dis pas toutes les petits trucs qu'il y a en haut. Hein. J'essaie de rester concentré et je trouve que les animations c'est un peu mieux quand on tue quelqu'un. C'est cool, je crois, non? C'est quoi la touche? Donc, bon, je vais pas chercher parce que. D'accord, ah ok. Ça c'est la zone en fait, d'accord. Ouais. Pour le respect du. Pour le respect de l'histoire, on peut, vu qu'on essaie, je parle peut-être que ça a été un débarquement réussi américain, on peut pas. M. D'accord, voilà. J'attends très bien de faire une petite charge à baïonnette. J'aurais pu le faire vu que le mec devait être à AFK, je pense. Je sais que la vidéo va être aussi longue. Longue à uploader. Banzai Shark. Left shift. Ça me tendrait bien quoi, la Banzai Charge, ça doit être sympa. Ah. Je l'ai vu? Non. Non mais je vais mourir. Ah si. Oh le boy il doit avoir le seum quand même. Oh putain. Ah le mec doit avoir le seum. Donc il m'a tué, c'est comme dans là c'est. J'étais blessé, je me sens pas bien, et puis après. Bon. Ouais, chef d'escouade, là normalement j'ai des jumelles, j'ai un katana. J'ai aussi un lance-grenade. Bon, ouais. Tester celle-là, on va tester chacune des classes ma foi. Là j'ai pris D'accord, ok. Des objectifs. Je sais plus comment on fait. Ouais mais. Lance-grenade. Coucou. Ah ouais. Ouh. Petite nouveauté du jeu qui peut être ma foi fort sympa, mais je vais éviter de faire du team kill, hein, ça serait ballot quand même. Et le mec il m'a répondu par une grenade. Il a pas dû apprécier ce que j'ai fait. C'est un peu un style de mortier parce qu'il faut qu'on le mette par terre. Putain, le mec il a eu tir à bout portant. J'ai envie de tester le chef des cruceurs, il a un katana. Faire une charge de katana, je vais me faire détester, mais tant pis. Le gameplay, bon, je le trouve beaucoup plus fluide. Je sais pas si c'est moi. Anzai. Ah ouais. Je sais pas si c'est moi. Okay. Parce que normalement, en ayant les jumelles, on peut demander des tirs d'artillerie. Je me rappelle plus comment on fait. Bon, si c'est que ça pète l'as. Je me rappelle plus. Il me semble qu'il y avait un truc qu'on faisait contrôle. Non. J. Bon, je ne sais plus, c'est pas grave. Voilà, c'est fumigène, on va y aller. Ah mais le jeu est beaucoup plus fluide, même au niveau quand on tue quelqu'un. Oui, il y avait une espèce d'animation toute foireuse un peu qui se faisait sur Razor. C'était pas très joli quand on voyait un mec mourir. Et là c'est vraiment bien fluide, le corps s'adapte, il y a une bonne physique des corps. C'est sympathique tout ça. Non mais il est bien fait hein. Ouais, franchement oui, plus le travail qu'il y a derrière, moi je dis chapeau au mec. Ça va arriver, ça risque d'arriver par là, je me mets à couvert derrière le mur. Oula, j'ai arrosé là. Un petit problème avec les balles mais c'est pas grave. J'ai failli me faire avoir hein, mais comme quoi ça finit à rien dans ce jeu. Si j'arrive à choper un mec, je vais faire une petite charge à la baïonnette. Non mais franchement. Ah l'ambiance est cool, là on a la braise et tout. Non franchement non. Je parle de braise. Oh l'enfoiré. Oui. Ah là le jeu est fait. On va mourir également drôle. Donc là c'est. Bah qu'est-ce que je dis de plus hein.
continuer un petit peu à jouer quand même. Donc oui, on a des objectifs. Mais vous voyez, on peut pas trop s'avancer. Ah, c'est pas un Call of ça. Mais c'est vraiment, il est vraiment bon, hein, franchement. Je trouve beaucoup plus fluide contrairement à Red Orchestra. Peut-être un petit temps de chargement moi, pour moi au début, quand ça a ramé, vous avez pu voir, mais... Non, je trouve vraiment beaucoup plus fluide. J'aimerais bien franchement utiliser mon katana. Si je pouvais faire un kill au katana, ça serait vraiment génial. Et puis en fait, là on peut jouer avec le terrain. On peut passer sous les bâtiments. C'est Alt, il me semble. Voilà. Il y a aussi une bonne. Putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Bande, son. Le son est bon. Oh, ils ont fait un... Attends, faut que je retrouve la possibilité de faire un... En étant officier, on peut demander des tirs d'artillerie. Verrouillage dans... Parce que j'ai les jumelles, donc j'ai l'outil entre guillemets. Oula, ouh, le mec s'il survit. Allez, les Américains, les problèmes du territoire petit à petit. Hein. Je sais plus comment... Je peux donner un coup avec les jumelles. Oh, ben un sniper, mec. Attendez, game options. Il faut que je retrouve la possibilité. Voilà. Interaction CTRL gauche. Tirer, arme suivante, viseur. Ouais, merci, une grenade. Zoomer. Ah oui. F. Ah, système d'interruption. Il me semble que c'est. Ah oui, ça doit être ça là. Voilà. Ça doit être ça. Alors. Oh. Oui, mais encore. Bien, en termes de serveur, les pings. Je sais pas, les pings sont un peu foirés, hein, c'est un peu bizarre. Ça a pas l'air d'être si mauvais que ça. Les connexions sont bonnes, hein. Moi, c'est juste que j'ai. C'est le temps que l'ordi charge, en fait, les textures, etc. Ça me fait un peu laguer. Mais c'est pas les connexions en soi. Alors, oui, mais vire. F, et on va faire. Se déplacer, non, ça va être. Ah, est-ce que ça va tirer? Putain, j'ai cru que c'était un ennemi. Putain, j'ai. Putain, c'est sous un feu nourri. Allez, on va finir cette vidéo sur un test de charge. Katana, je vais y aller tout de même en me couvrant. Enfin, oui, hein, n'oubliez pas de sortir couvert. Ça sent l'artillerie. Non, ne te mets pas sur le toit, espèce de. Non, oh, putain, quel con. J'y crois pas. Enfin, bon, bref. Sinon, les autres cas sont prises. Ah oui, je prends le. Pardon. Bon, eh bien, amis Star Games, vous pouvez voir qu'on s'est retrouvé donc sur Rising Storm, hein, ça a été, c'est leur nouveau jeu, entre guillemets, c'est ça, et qui est disponible en bêta et qui est vraiment. Ah oui, après, il faut passer par la radio, il me semble. Il faut trouver une radio, je crois, pour l'artillerie. Mais ça, c'est ça, je me rappelle petit à petit. Ça peut être. Je vais tirer. Donc, moi, bah, voilà, c'était une petite vidéo découverte, hein. Ma foi, je suis d'accord avec vous d'être un petit peu malassonne et bon, la map est grande, etc. On découvre tous un peu le jeu. Mais le jeu, franchement, si vous pouvez mettre ce jeu, à mon avis, à votre liste, je le mets car, hormis mon ordinateur qui fait un petit lag comme à l'instant, je pense que ce jeu a tout pour être pris. L'ambiance est bonne, on sent. Non, faut voir l'univers, etc. On se sent bien dedans, les tirs d'artillerie. Qui sont récurrents, etc. Qui sont en fait tout simplement orchestrés par les autres joueurs. Hein. Faut pas se. C'est pas l'IA ou quoi que ce soit, non, c'est bien les autres joueurs qui ordonnent les tirs d'artillerie. Voilà. On est vraiment plongé dedans, on est toujours dans l'aspect simulation, puis il y a tout l'aspect corps à corps qui a été. Je gueule pas. Il y a vraiment tout un aspect. Ah oui, alors attends,
en termes historiques, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi nous chez History Games. Il est bon au niveau de tout ce qui est historique, hein. L'événement, ça, j'ai pas fait gaffe au nom de la bataille. Mais tout ça, c'est tous les éléments sont recherchés. C'est un mec en face, mais c'est que des éléments recherchés. L'uniformologie est bien évidemment respectée. Le principal ajout. Le principal ajout, c'est les charges de banzaï. Les charges tout simplement de l'époque à la Bayo, le katana, etc. Tout ça, ça t'est rajouté, c'est tout ce qui est historique. Et... putain, je l'ai raté quand même. Ah putain, je suis au spawn. Oh! Ah! Ha! Et bah ma mort se terminera sur un magnifique lance-flamme, donc je viens d'apprendre qu'il y a aussi le lance-flamme. Attendez, peut-être avant de changer de rôle. Sélection d'une équipe, peut-être voir les Américains. Ah, y a, en fait on peut prendre un lance-flamme tireur d'élite et un fusil qui est chef d'escouade avec Thompson. Donc oui, c'est vrai que j'ai joué qu'avec nos chers japonais en fait, et là on va jouer avec les Ricains. Donc on dit oui, ils doivent avoir ils ont le lance-flamme, donc ça c'est une nouveauté. Mais par contre les principaux ajouts, c'est le lance-flamme et toutes les charges en fait à la Bayou pour les Japs. Ouais, les Japonais. Parce que je pense pas que pour les Américains, j'ai le code peut-être des armes. Oula, ça pète. C'est infiltré. Voilà, juste en face. Un petit peu américain avant de se quitter. Oh, ça ne changera pas grand chose hormis les armes peut-être. Oh putain, bah, bon écoutez, dernière petite charge. Ouais, on peut foutre des coups de crosse en étant américain. Donc le principal ajout, ça c'est les nouveaux uniformes, les nouvelles armes, la nouvelle époque. Mais c'est aussi un truc de balle réaliste qui a été rajouté. Ce qui est intéressant, c'est la charge Bayo et le lance-flamme. Pour mon avis perso, ça sera un jeu qui sera sûrement mien. Car il est, je trouve, beaucoup plus fluide. Pas de problème de connexion. Ouais, même sur l'autre, même sur Red Orchestra, il y avait pas de problème de comment dire. Il y avait pas de problème de. Normalement. Ah mais alors il n'y a plus une radio où on pouvait donner les ordres, je sais plus comment faire. Le Colt. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, il est très fluide, il n'y a pas de problème de connexion. C'est vraiment agréable. Et le son est magnifique. Le paysage, regardez-moi ça. Oh! Ah bien joué. Ouais, écoutez, voilà, c'est une petite vidéo découverte. Je découvrais le jeu en même temps, hein, donc c'est peut-être un peu différent des autres vidéos que j'ai pu faire. Mais là, c'est la toute première fois que j'ai joué. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être insinué à essayer de tomber, à avoir la bêta, qui est très bon et il est vraiment très fluide. Moi j'adore, hein. Franchement, j'ai passé quelques bonnes heures. Allez, amis auditeurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir le jeu, mais plus dans le gameplay, parce que le jeu a été annoncé depuis un bout de temps. Donc j'espère que tout cela vous plaît. Évidemment, ce n'est qu'une bêta, donc assez restreint par rapport au jeu d'origine qui comportera sûrement un solo, peut-être. Qui sait, je ne sais pas, j'ai pas fait gaffe. On verra. Allez, sur ce, on se quitte et portez-vous bien. Allez, à ciao.